Le mouvement des petites et moyennes entreprises est la plus vieille association de PME. Elle est vieille de 42 ans. Dès le départ, en tant que vice-présidente de cette association, j'ai directement collaboré avec l'agence Côte d'Ivoire PME, je me rappelle. On avait conduit ensemble un atelier qui nous permettait à nous préparer à l'export. Et on avait un projet qu'on avait appelé Invest in Liberia. Parce qu'on voulait accompagner nos PME membres sur des marchés de la sous-région. Et donc, ce diagnostic-là nous avait été déjà offert par l'agence Côte d'Ivoire PME qui nous a accompagnés. Je crois que c'était en 2018. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres formations, mais je retiens les plus pertinentes, notamment pendant la crise Covid, où ça a été très difficile pour nos PME, notamment dans l'accès aux fonds Covid, vu que beaucoup de PME n'arrivaient pas à les capter. Donc, ça a été, un travail en synergie avec l'agence Côte d'Ivoire PME pour justement permettre à nos PME de pouvoir en bénéficier. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir dans une Côte d'Ivoire solidaire.